Et bien le bonjour à toutes et à tous, tout simplement, c'est Batarman, ouais, oh, je déconne. Donc, dans la prochaine vidéo, dans la précédente vidéo, mince, la prochaine, non, je veux dire que, enfin, je vais avoir une migraine. Donc voilà, donc nous avons botté le cul des Ricains, je crois. Oui, c'était les Ricains. Donc, cette fois-ci, nous allons nous occuper des Anglais avec un problème de communication. Donc voilà. Bon, bon, bon. Montons. Alors, problème de communication. Porc, pendant que tu danses, le chat est sorti. Et l'ennemi a construit un poste de communication. Il faut le détruire. Pourquoi? Parce que sinon, l'ennemi se fout de ta gueule, banane. Voilà. Donc, attends, ta position dominante, t'avantage, alors profite. T'inquiète pas, c'est prévu. Méfie-toi d'elle. C'est prévu aussi de me méfier d'elle. Donc voilà. Et là, on change un peu d'environnement de ce qu'on a Moi? connu. Mais Enfin, oui. qui est moi? Donc, puisqu'il y a, c'est un peu hivernal, hein, donc voilà. Mais je vais peut-être perdre du temps. Sinon, ça va me niquer un peu mon truc. Donc voilà. Donc, avec qui on va se manier un peu le derche. Simplement. Ils ont un tout bibi ici. On va essayer de lui exploser sa gueule. Gentiment, bien sûr, et poliment. Et bon, je sais pas comment c'est possible d'être gentil et poli à la fois en même temps que tu exploses la gueule à quelqu'un, mais bon. On sait jamais. Donc en fait, le seul moyen pour les blocos, en fait, hein, si vous voulez pas mourir, faut se cacher derrière les arbres. À chaque fois que vous ayez fait une action. Simplement. Bon, à chaque fois que vous faites une action à la fois, donc voilà. Les seuls personnages que j'aurais pas à réellement bouger, ça serait mes bombardiers. Enfin, enfin, les mecs au bazooka, quoi. Donc lui va s'occuper de Yves. Je m'en fous, j'ai un tout bib. Donc lui, j'ai pas envoyé le P du tout bib ou de l'éclaireur, au contraire, il va faire autre chose et cette fois-ci nettement plus importante. Donc voilà, qui s'avère être très important pour la continuité et pour que je n'ai pas de problème dans mon plan. Donc il s'agit de lui. C'est un putain de bombardier britannique. Simplement, donc si on s'occupe pas de lui, il va s'amuser à tirer sur nos camarades là-bas. Enfin, ça c'est les blocos. Sur nos camarades. Et du coup, on a des chances de tomber. Et du coup, on peut se faire atteindre par Où la face à par les blocos. Donc voilà. Donc, faut toujours bien réfléchir au truc. Très important. C'est con. Ah là là, il est d'une bêtise, mais bon. Je le reproche un tour. It's no, hein? Voilà. Je m'en fous. Donc, Oh bombardier. putain, pourquoi moi? Donc, on le met là. Comme il se doit. Non. Voilà. Alors, si j'en souviens bien, c'est entre le jaune et le rouge. Enfin, limite, quoi. Voilà. Brossé dans la En pur lucarne. français.
Ça, ça tue plus vite que la vache folle. Ouais, il y a des chances. Je prends du mercurochrome. Donc, quitte à mettre mon sniper en danger, autant que ce soit pour des raisons qui se valent, hein, personnellement. Pas du tout. Elles sont pas ergonomiques, ces armes. Ah, mais là, il... non, il se fait avoir. Réglons ça, on peut le voir, j'ai pas assez bien caché. Mais il m'a loupé, c'est cool. Ouais, couille de loup. Donc, hein, ce qui est bien avec les blocos, c'est qu'ils ont plus de chances à rater leur tir quand on est à une certaine distance. Donc, mieux vaut en profiter aussi. Bien que utiliser les arbres, c'est utile. Donc, lui, on va le soigner. Oui. Magnifique. Et on va soigner notre cher espion et s'occuper du toubib. Oui, un toubib qui tue un toubib. Logique. Vais-je réussir? C'est limite. Limite. Une vraie boucherie. Je suis pas sûr d'avoir. Au moins, tant que je soigne mes hommes. Je m'en fous. Mère, mon cochon. La vie de mes hommes. De plus. Donc voilà. Malheureusement, c'est une espion qui s'est fait avoir. Le courage, c'est de dire gruik. Alors, il est où ce... ce petit con? Donc, je lui passe une mine dans la gueule. Ah, donc, tu bouges, t'es mort, à coup sûr. Hein. Tu t'en sortiras pas. Aucune chance. Donc, toi, hop, t'arrêteras de faire chier le monde. Combattre, c'est débattre. Voilà. Magnifique. It's my turn, hmm? Yes. Plus que deux et t'as ta décoration en poil de gnou. Go! Et voilà. Donc il se cache, c'est bien. Du coup, ça me fait gagner du temps. Lâche-moi ta mère! J'en profite pour prendre la caisse de vie. Et essayer de fumer ce putain d'éclaireur de merde. C'est pas une bonne cachette qui s'est faite, mais bon, ça reste une cachette. Hop, et maintenant qu'il a son fusil sniper, on va se le fumer. Nonobstant ta mère. Toujours en vie, malheureusement. Mais on fait avec. Ah non, fais chier. Ah bah l'Europe. On est juste en face de sa gueule, quoi. Voilà, non. Voilà. Oh putain, lâche-moi là, oh. Malheureusement, à mort. Malheureusement. Oh, il paye à boire. Il paye à boire. Je vous l'ai dit, un pur français. C'est pur français. J'ai peur que nous soyons en litige. Ah, c'est magnifique. Ça me fait gagner du temps. Je suis là, n'importe comment. Donc, toi. Je suis plutôt resté caché. J'ai pas envie de mourir. Et comment je vais avoir mis Mister dans le blocos, vous inquiétez pas. Tout est prévu. Vache folle.
Voilà. Je suis content. Je sors de l'Europe. Bravo, couille de loup, tu me fais plaisir, là. Il doit se sentir un peu seul. Télé-Bankourou. Ah non, c'est vrai, il manque l'éclaireur. J'ai oublié. Moi ? Mais qui est moi ? Toi, ouais. Donc, récupérer les deux caisses d'armes, très importantes. Sinon, ça va mettre du temps à finir. Donc, ce qui veut dire que cette vidéo va pas être très longue. Super TNT. Ça, je vous en avais déjà parlé. C'est The Arm, quoi, Super TNT. C'est The Big Arm. On ne peut rien contre la Super TNT. Rien. Simplement. Je vais passer mon tour, par contre. Je vais me cacher que ça, par contre. Voilà. Rien ne peut empêcher la TNT de tuer. Un petit moitié si tu veux, mais tu vas quand même crever. Hein. Me dégage ta mère! Voilà. Me va mourir ta mère! Beckham, je t'aime! Un pur anglais. Excellent travail, Blubit. Tu tues bien, tu picoles bien. Tu es un bon soldat. Je suis désolé d'abîmer votre uniforme. Ouais, non, c'est pas grave, je suis pareil avec toi. Oh, putain, pourquoi moi? Donc, sachant que l'autre, il est mort, ce qui est plutôt con, parce que je prévoyais d'avoir quand même une médaille survivant. Je vais te fumer. Ciel, mon mari. Mais pourquoi je dis ça? T'auras ton nom sur un monument à pigeons. Toi, non, tu auras ton nom auprès de notre cher Ahmed. Qui est au bord de l'agonie. Bah oui, on prend 11 points de vie, c'est limite au bord de l'agonie. Hein. Excusez-moi de dire ça, mais c'est vrai. Voilà. Et tu vas te cacher là. Pourquoi j'en vois pas? Parce que j'ai pas envie qu'il crève. Il y a déjà eu un mort à la con, alors j'ai pas envie qu'il y en ait un deuxième. Cochonnement vôtre. Ah non. C'est de dire gruik. Alors pourquoi il est sorti de son blocos? Tout simplement parce qu'il ne devait plus avoir de munitions, je crois. Parce que je crois qu'il y a une limite pour les blocos. J'en suis plus très sûr, mais je crois que c'est ça. Donc nous avons deux super TNT. Deux. Imaginez ce que ça va faire. Donc ça détruit un blocos en un coup. Un cochon, ça le tue en un coup. Voilà. Hop. Bravo, finis-le à la main et rentre dans ta chambre, Bluebeat. Ah, pourquoi je me suis caché là-dedans? Je vais pas qu'il se fasse tuer à coup sûr. Il va survivre de toute façon, j'en fous. Ah, le lance-flamme. L'action. Encore, ça va, les lance-flammes sont toujours à courte portée. Donc je manquais de chien. Et on va laisser Yves finir le travail. Enfin non, il est mort l'autre. Je sais plus. Il est mort ou il est pas mort? Je m'en souviens plus. Si ouais, il est mort je crois. Si ouais. Si ouais, j'ai dû le tuer. Je sais plus mais bon. Ah, j'ai tué. Ah. Attention, et j'ai eu un doute. Ils sont pour qui? Houdini? Donc voilà, oh, putain, on lâche-moi, ne peut pas nous atteindre. Il ne peut plus nous atteindre avec son putain de lance-flamme.
Reprendre dans la tête. Oh, magnifique. Donc voilà. Donc il peut plus tirer du fait qu'il n'y a plus de mission. Donc il le lance-flamme. Il y a des possibilités, hein, après tout. Ouais, couille de loup. On sait pas. C'est un mystère. Oui, je fais passer le temps. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est Yves qui a the arm, tout simplement, et pour en finir. J'adore les accessoires. Ouais, mais non, pas moi. C'est flippant, mec. Non, mais il était flippant, là, franchement. Ouais, mais non, je fais ça sans baïonnette, s'il te plaît. Hein. Merci bien. Fini. Non. Oh, l'arnaque. Attendez, l'autre, il est mort comme un... Ah, mais j'hallucine. Tuer ne s'improvise pas. Mais pourquoi faire ta mère? L'arnaque, quoi. Je sais pas, cette vidéo, elle contrarie tous mes plans que j'avais prévus de base. Donc voilà, le Toubib qui meurt pas dès le premier coup, celui-là qui survit, le bombardier qui risque d'attaquer mes bombardiers. Donc voilà, j'étais contrarié pendant tout au long de cette vidéo, ce qui me plaît pas du tout. Donc voilà. Tuer ne se prémédite pas. La mort non plus. Attrape, c'est le chapeau de ta mère. Ainsi, c'est donc l'heure. Oui, donc lui, ça devait être un... Je viens de comprendre, mais ça devait être un accro au drame. Le théâtre anglais, hein, jamais on pourra le comprendre. C'est un mystère de l'univers. Pour les Français, surtout. Ah, nous, on comprend pas le Shakespeare, bah, ils comprennent pas le Molière, écoutez. Assez, c'est à l'ONU d'intervenir. L'horoscope d'Helwig, page 64. Je ne sais pas si ça existe réellement, Helwig, hein, je ne sais pas. Mais bon. Donc, un point de promotion qu'on ne peut pas utiliser, bien sûr, puisque voilà. Bon, ça fait un petit peu chier, mais bon. Aïe, celui-là me plaît pas trop comme niveau. Donc, moi, je vais vous laisser ici. Oui, simplement. Donc, je vous dirai à la prochaine. Espérons que cette vidéo vous aura plu. Donc, cette vidéo, je l'aime. La prochaine vidéo, je sens que je vais pas l'aimer du tout. Donc voilà, je vais pas du tout l'aimer. Il n'y a aucune chance. Donc voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu. Simplement. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, à plus.